Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci Franck et merci à tous. À bientôt. Salut à tous les gamers, c'est SkyZen, bienvenue sur SkyZen TV. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième chance. Allez, je me suis donné une deuxième chance là cette fois-ci. Je me suis donné une deuxième chance parce que je pense que je le mérite. Enfin, je le mérite pas supposé parce que j'ai eu 4 j'ai pris 4-0 hein. Ça je sais que je le mérite pas du tout. Mais voilà, je pense que je mérite quand même d'aller plus loin que les 8e de finale quand même, faut pas déconner. Et je me suis dit, allez, on va le retenter. Alors, faut savoir que j'ai déjà fait un premier match histoire de me remettre dans le banc. Et j'ai gagné 5-0, comme vous l'avez vu, parce que je vais le mettre au début de la vidéo, justement. Donc, vous l'avez certainement déjà vu. Et étrangement, j'ai pas compris, FIFA m'a mis que j'ai perdu 3-0. Et même quand je vais voir, je regarde et il y a écrit que j'ai perdu 3-0. Donc oui, ça me fait un petit peu rager, sachant que j'ai gagné le gars 5-0. Bon, voilà, c'est pas grave. De toute façon, on a l'équipe pour pouvoir se qualifier. Donc on va jouer le deuxième match. Et puis rien n'est joué de toutes les manières. Donc voilà. Donc on va remonter. On va essayer à nouveau de gravir les sommets parce que là, c'est pas possible. Alors je vous propose quelque chose. On va essayer de faire Soldado. Soldado, on va essayer de faire Soldado jouer à la place de Benteke. Je crois qu'on m'avait suggéré Lukaku. Ben, je me dis, est-ce que j'ai pas. Vas-y, on va essayer avec Lukaku. Et puis on verra bien à la place de Neymar. Histoire qu'il puisse se reposer un petit peu. D'ailleurs, mes contrats commencent à se terminer. Faudra que je les mette. Et donc voilà, donc on a du collectif, comme ça on va éviter les hors-jeux. Parce que Neymar était très souvent hors-jeu, ça m'énervait un petit peu. Donc vous voyez là, ce nouveau blouson là, c'est pas le blouson SkyZen parce que là je sors de la douche justement. Excusez-moi si je regarde toujours par là parce que voilà, j'ai l'image que jette la caméra se trouve ici. Donc je regarde un petit peu si tout se passe bien, etc. etc. Bon, les amis, on recherche un adversaire, hein. En espérant qu'on va faire 5-0 comme le premier match et que cette fois-ci ça va compter. Bon, franchement, FIFA me doit une victoire. Donc j'espère vraiment qu'on aura cette victoire. Même si on perd, hein, parce que là, sinon, c'est un petit peu du vol. Surtout que si je passe à un match de l'élimination, ça va me faire quand même un petit peu chier. Quand même, faut pas déconner. En plus, on tombe sur un gars qui a fait une victoire et là, ça me remet encore que j'ai perdu et c'est dégueulasse. Bon, c'est pas grave, on va pas épiloguer. En plus, il avait vraiment une équipe de merde. C'est pas grave, là encore, c'est pas une équipe qui pète la forme. Normalement, on le gère easy. Hein, donc là, je vais même m'amuser avec lui un petit peu. Et puis, les amis, on fera partie. Donc, vous voyez, là, je suis un petit peu calme, je suis un petit peu posé, plus posé parce que avant, quand je faisais mes vidéos, j'avais le stress du bac et là, il est un petit peu parti. Alors, il faut savoir un truc que j'ai pas du tout remarqué. Attendez, je vais vous le montrer. Une fois que j'aurai le ballon. Bref. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, faut savoir que. Ouais, donc, aux dernières vidéos, j'étais un petit peu. Je gueulais un peu parce que non seulement j'avais le stress du bac, j'étais content d'avoir fini le bac, etc. Donc, j'étais un petit peu relâché, un petit peu plus relâché, etc. etc. Mais bon, voilà. Faut savoir aussi que j'étais un petit peu fatigué aussi avec ces trucs-là. Et quand je suis fatigué, je fais de ces trucs de ouf. Donc, mes réactions étaient un petit peu abusées, effectivement. vous inquiétez vraiment pas, c'était passager. Là on va, enfin là je vais pas parler trop vite parce que je sais pas quelle réaction j'aurai si je m'abute. Hop, ça c'est bien joué, Lukaku, putain, ah y'avait personne, bref. Et donc voilà, donc en pensant, franchement là maintenant que j'ai eu mon bac, parce que oui je l'ai décroché le bac, très content d'ailleurs de l'avoir décroché, donc oui je l'ai eu, je sais pas si... J'avais envie de vous mettre mes notes, mais après je me suis dit non, ça sera pas la peine. Genre le gars qui trouve une excuse juste parce qu'il a raté son bac.
Alors concernant aussi le 4, le 4-0. Concernant aussi, attendez, peut-être un but. Ah, mais il tire sur le gardien. Concernant aussi le 4, le 4-0 que je me suis. Ouais, le 4-0 que je me suis pris, franchement. Le 5-0 que j'ai mis à l'autre gars là, franchement, c'était une vengeance personnelle pour moi parce que là, je revenais pas. Et ce qui s'est passé en fait, je sais pas si vous avez compris avec mes petits commentaires durant cette vidéo, petit sursaut, durant cette vidéo, et ben en fait, il semblerait que c'est impossible d'avoir. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est impossible de changer les paramètres. Vous me direz si c'est faux dans les commentaires. Mais apparemment, c'est impossible de changer les paramètres de défense. Et en fait, j'ai pas du tout l'habitude de jouer. Voilà, la défense tactique est verrouillée et on peut pas la changer. Donc, c'est un petit peu encombrant en sachant que je joue en autre défense. Et donc, voilà où ça me posait problème au niveau de la défense. Bon, après, je vais pas cracher dessus non plus. Il y avait mon jeu aussi parce que j'arrivais même pas à passer sa défense. Non, franchement, le gars, il était vraiment au-dessus et j'ai absolument rien à dire par rapport à ça. Donc voilà, donc victoire largement méritée pour lui. Hein. Franchement, j'ai joué comme une bouse. Je sais pas, peut-être que c'était l'énervement, le stress, hein, je sais pas. Aucune idée, mais en tout cas, voilà, j'ai fait de la merde et j'assume complètement. Et là, je marque, et là, c'est le but. Et c'est le premier but, les amis. Et ça fait plaisir en espérant que FIFA, si on gagne, ne va pas nous faire le coup de. Eh, non, 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 hein. Non, non. Tu as perdu le match, tu assumes. Bref, non, non, franchement, donc voilà, donc moi ça me fait super plaisir en tout cas de vous retrouver pour cette vidéo. Et puis voilà, mais je me demande si je vais pas vous laisser tout le match aller pour la peine. En même temps, non, non, ça servirait pas à grand chose. Après, j'avais autre chose aussi à vous dire, oui! Alors concernant les dernières nouvelles, oula, faut pas que je me prenne un but, attention, voilà. Concernant les dernières nouvelles de YouTube. Parce que là, j'ai un petit peu. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé, je vous avoue. Oula, Benzema, tu me fais de la merde. Oula, d'accord. Excusez-moi. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé au niveau de YouTube. En sachant que je sais pas si vous avez vu ça ou si vous êtes rendu compte. Mais j'étais déjà à 910 abonnés et j'ai perdu 66 abonnés. Ce qui m'a mis à 840 abonnés. C'était un petit peu. Ça m'a fait mal au cœur. Non, je vous avoue que ça m'a fait mal au cœur. Enfin, j'étais pas loin des 910 abonnés. Puis ça m'a fait vraiment mal au cœur parce que j'étais vraiment heureux d'avoir atteint les 900 abonnés aussi vite et tout. Alors, faut savoir ce qui s'est passé, c'est que. Il n'y a pas eu de bug de YouTube ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas si j'ai perdu mes plus fidèles abonnés dans cet échange. Et en fait, il faut savoir que YouTube a lancé une sorte de programme. Oh mais non Benzema, excusez-moi. YouTube a lancé une sorte de programme qui afin de donner des statistiques les plus sûres que possible. Attendez. Ah oh, non, c'est dégueulasse. Frappe était écrasée là. Français afin de donner des statistiques les plus sûres que possible, donc c'est à dire que comme vous avez pu le constater, j'ai 800 ben, j'ai 870 abonnés maintenant, donc j'ai quand même bien récupéré, donc ça me fait plaisir. 800 ça m'a mis à 840 hein, 840 abonnés, donc j'ai 870 abonnés, donc ça me fait super plaisir d'avoir pu les regagner. D'avoir gagné de nouveaux abonnés aussi vite. Donc merci aux nouveaux arrivants hein, d'être arrivés. Nouveaux arrivants d'être arrivés. Ouais. Donc voilà. Donc moi ça me fait plaisir. Mais voilà. Donc YouTube a viré absolument tous les comptes. Tous les comptes comment dire. Qu'ils avaient bloqué ou comment. Comment on dit ça déjà? Suspendu. Tous les comptes suspendus ont été virés, décomptés de mon nombre d'abonnés. Ce qui est. Oula, c'est pas très religieux ça. Décomptés de mon nombre d'abonnés. Et c'est un petit peu dégueulasse quand même. Moi je dis. En sachant que ça me fait. Voilà, ça m'a retiré quand même pas mal d'abonnés. Mais en même temps, ça me permet de voir aussi. De comprendre un petit peu pourquoi j'ai 800.
J'ai 810 à... Oula, oh c'était bien joué ça. Oh c'était bien joué. C'était bien joué, mais c'est pas grave, je vais gagner le match quand même, je m'inquiète pas plus que ça. Donc je disais que... Non, on va la revoir. Non, franchement, il a bien coupé là, franchement. C'est comme les États-Unis à la Coupe de France, là, comme contre les gros, ils font du bien. Donc voilà, donc... Il faut... Ah, putain. J'avais pas vu que j'étais passé. Ah, j'avais pas vu que j'étais passé, c'est dommage. Donc voilà, donc je me demandais pourquoi j'avais 810 abonnés, 910 à, près de 910 abonnés, et pourtant j'avais pas le même nombre de vues sur toutes mes vidéos, etc. Alors, je me suis renseigné et j'ai pu comprendre. Donc déjà, il y a des comptes suspendus, bien sûr, qui sont toujours dans mes abonnés, qui étaient toujours dans mes abonnés, et que, voilà, quoi, je... Et qui ne comptaient pas, vraiment. Donc c'est un petit peu bizarre, c'est un petit peu bête. Ensuite, il y a les comptes aussi... Donc à coup, je crois que je vais le sortir, hein. C'est la dernière fois que je l'essaye. Désolé, mais franchement, voilà, quoi. Ouais, donc je disais que j'avais pas que voilà ma chaîne, du coup, elle était pas si si active que avec des abonnés actifs comme je le pensais, vous voyez. C'est à dire que j'ai un grand nombre, putain, la faute de merde, voilà, j'ai un grand nombre d'abonnés qui ne sont pas actifs déjà. Ce sont les résultats de ma recherche. Putain, franchement, la défense tactique elle est dégueulasse. J'ai vraiment du mal. Alors, non seulement j'ai un nombre d'abonnés inactifs, donc c'est à dire qu'ils se sont abonnés à ma chaîne mais qui ne sont pas actifs sur ma chaîne. Ensuite, j'ai aussi justement, j'avais les comptes suspendus, dont les 66, qui est quand même un nombre assez important. Et bien sûr, je vais pas non plus me plaindre, parce que je vais aussi vous dire merci, parce que grâce à vous, j'ai pu atteindre les 1000 vues par jour. Ce qui est vraiment énorme. Ce qui est énorme, mine de rien, franchement. Je m'attendais pas à atteindre ce chiffre-là, franchement, parce que au début, je me rappelle encore quand je faisais du 100 000. Du 100 000, waouh. Si un jour j'atteins 100 000, franchement, je suis content. Le jour où je faisais 47 vues à peu près. 47 vues à peu près, etc. Où je faisais. Pas énormément de vues en fait par jour. Je me battais pour avoir 47 vues par jour. C'était avant bien sûr, c'était avant que j'arrive chez Machinima, qui demande énormément pour... Oula, je t'ai pas demandé de me faire ça, toi. Qui demande pas mal quand même de vues, mine de rien, pour faire partie de leur network. Et bien, faut dire que je m'attendais vraiment pas à atteindre un jour 1000 vues par jour de ratio. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Même maintenant que je me rends compte, c'est vraiment énorme. 1000 personnes regardent ma chaîne tous les jours, c'est extraordinaire. Et donc voilà, c'est ce qui me donne toujours le punch pour continuer. Donc pour ça, je vous dis merci. Et pour ça, je vais gagner le match également. Parce que là franchement, à force de parler, je ne suis pas vraiment concentré. Voilà. Mais putain, c'est sérieux, bon. Donc voilà, donc merci vraiment à vous et merci de vous abonner à nouveau à ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir de vous voir vous abonner. De voir vous abonner comme ça. Aussi, d'être, que vous soyez aussi nombreux maintenant sur ma chaîne. Bientôt on atteindra les 1000 et franchement ça sera énorme. Ça sera vraiment énorme. Le but, magnifique. Et franchement, ça serait énorme. Voilà, ça serait énorme comme ce but-là de Benzema qui nous a bien fait le job. Alors, je rappelle que malheureusement, la France a été éliminée. Je suis triste. Le jour des résultats de mon bac. Alors, j'ai eu le bac, mais malheureusement, la France s'est fait éliminer le même jour. Donc, ça a gâché ma joie, là, les gars. Oh, je suis triste. Mais c'est pas grave. Franchement, notre France s'est bien battue. Pour tous les Français, même, qui n'avaient pas foi en la France. Je pense que là, la France les a bien épatés. Enfin, j'espère en tout cas, parce que la France le mérite largement. Oh non, mais 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 non,
Mais non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ça. Le but était moche d'une force. Pour la peine, je vais aller marquer tout de suite. Faut que j'apprenne à faire ça, je ne sais pas vraiment le faire, ça m'énerve. Là, le but est dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Franchement. En plus, je suis encore en train de penser à FIFA qui m'a retiré ma victoire. Là, je sais pas pour quelle raison, il m'a mis 3-0. 3-0 alors que j'ai gagné le match. Oula, Lukaku est vraiment trop lent, c'est pas possible. Lukaku est trop lent. Il est vraiment trop lent. Même Neymar, même s'il n'était pas. Oula là là là, qu'est-ce que tu me fais? Même s'il n'était pas vraiment en forme, enfin avec le collectif, etc., Neymar me fait largement du meilleur travail que Lukaku. Ça c'est clair et net. Je crois même pas que c'est comparable. Oula, hé, hey, oh, on se calme. Boum. Voilà, ça c'est fait. Ouh, c'est tendu. Non, franchement, c'est tendu. C'est tendu. Oula, je suis en train de vous parler là, mais c'est tendu. Vraiment, c'est tendu. C'est pas si tendu que ça, mais même si. Mais il met des buts de merde, quoi. Donc je suis un petit peu déçu. Mais ça ira. Puis je fais avant que Neymar si vraiment je suis en difficulté, hein, histoire qu'il me mette les buts. Mais vraiment, au niveau de la défense défense tactique, là, c'est dégueulasse. J'arrive pas du tout à jouer en défense tactique, appuyer sur rond au bon moment, etc. Non, j'ai du mal. Je vous avoue que j'ai du mal. Attendez, on va pas se jeter trop vite. Mais le pire, c'est qu'ils veulent le refaire, hein. C'est ça le pire en fait. Hein. C'est qu'ils veulent le refaire, hein, ce bouffon. Ah ouais, excuse-moi si tu vois ma vidéo, mais t'es vraiment un bouffon, mec. Hein. Ah ouais. Bon, en même temps, ça joue sa vie. Là, quoi, il va essayer de la refaire. Voilà, je me doute un petit peu. On accompagne le ballon. Voilà. Oh là 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 là. Bon, bah écoute, si tu sais ce que tu veux faire, moi aussi je vais la faire. Hein. T'as LB, quoi. Hein. En fait, ton L un triangle, mon gars. Y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Alors sinon je me suis acheté un nouveau PC, les amis, pour pouvoir vous faire d'autres vidéos, des vidéos un petit peu plus potables au niveau des graphismes. Parce que je joue vraiment en graphisme low parce que j'utilise un PC vraiment ancien. C'est un PC portable justement. Hop là. Oula. Ah non, Benzema, t'es sérieux? Oula, monsieur l'arbitre, moi je dirais carton. Donc j'utilise un PC portable, ce qu'il y a de plus normal. Ce qu'il y a de plus normal, et ça me dérange un petit peu parce que c'est un ancien PC, c'est un Bayo. Hein, c'est pas les PC les plus nuls du monde non plus. Heureusement, parce que sinon. Oula, pourquoi il s'est jeté comme ça? Je lui ai pas demandé ça. Voilà. Bien joué Valbuena qui descend très, qui est descendu assez vite. Oula, bien joué. Oula, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué, mon dieu. Ah, c'est bien joué. Ah, zut. On attaque. Oh, ça c'est bien joué. Je la mets. Ouais, elle est moche, mais il me l'a mis là à peu près la même. Je vous jure, il l'a mis la même, il la mérite. Il la mérite celle-là. Alors là, ah, dégueulasse. Bon, bon, ben Benteke, au moins, enfin, Lukaku, il aura mis son but. Je crois que c'est Lukaku qui a marqué. Je suis pas sûr. Bref. En tout cas, donc voilà. Donc, bah, chose faite, hein, moi je dirais. Hein. Au moins, on a la. Ah non, il nous reste le dernier but pour la qualification. Ouais. Ouais, donc voilà. Mais en tout cas, les amis. Donc, je me suis acheté un PC histoire de pouvoir faire tourner tous les jeux en AG. En AG ou. Ou même en ultra. Ouh, elle est passée de là. Oh là là, elle est passée de là. Lukaku. Mais Lukaku, putain, c'est quoi le bug qui t'a empêché de tirer? Je vous jure, il y a eu un bug là. Putain, il y a un petit peu de bug hein, au niveau de la latence. Un petit peu de bug au niveau de la latence. Bref. Donc. Bref. Donc oui, donc je me suis acheté un nouveau PC, il s'agit d'un Alienware, donc non, il n'était pas si cher que ça, mine de rien, donc 5-2, hein. Pendant que je parle, il n'était pas si cher que ça, donc je me suis acheté un Alienware, non, je suis pas un pigeon qui a acheté un Alienware, non, loin de là. Alors, faut savoir que les statistiques de l'Alienware, pour le prix, pour le rapport qualité-prix, alors j'étais vraiment surpris parce que je voyais des histoires de 1500€ pour très peu de choses, alors que... Non, pas du tout.
pas du tout. La Yanoua est l'un des meilleurs rapports qualité-prix que j'ai trouvé. Alors, j'ai pas compris vraiment ce qui s'est passé. Je sais pas s'il y a une. En plus, j'avais la réduction de 110 euros pour la fête des pères là. Donc voilà, donc j'étais vraiment heureux pour un Alienware quand même. Donc faut savoir que les caractéristiques de mon Alienware, j'ai pris un Alienware de 16 Go parce que je monte quand même pas mal de vidéos. Ça me facilitera largement la tâche. Donc voilà, donc j'ai pris un Alienware de 6 Go i7 400 4770 ou un truc comme ça, je me rappelle plus. Mais en tout cas en tout cas c'est un PC qui est vraiment aux normes franchement pour le prix parce qu'il m'a coûté 1114 euros. Alors j'ai essayé de me créer un PC de gamer comme me l'a suggéré pas mal de personnes lorsque j'ai demandé des avis etc, mais non je suis désolé mais le PC de gamer n'est pas moins cher lorsqu'on le crée avec les mêmes caractéristiques, n'est pas moins cher que d'Alienware. Je suis désolé, hein. Et puis je pouvais faire quand même. Mais je suis pas là pour faire la pub d'Alienware, hein, parce que là ils m'envoient pas d'Alienware gratuitement, etc. Mais voilà, je comprends pas vraiment pourquoi vous crachez sur Alienware comme ça, en sachant que c'est l'une des meilleures marques d'ordinateurs. Même si avant c'était le. Bon d'accord, il n'y a personne qui m'arrête. Hop. Ah zut. Même si avant, admettons que c'était plus cher, parce que je crois que pour le prix que j'ai là, normalement un Alienware ça coûtait largement plus cher que ça, vous me direz dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas j'étais agréablement surpris, je sais pas pour. Ouh là là là, ça fait mal! Oh ça fait mal aux yeux! Oh ça m'a brûlé! Oh là là! Oh j'ai pris une tape dans l'œil là! Oh le but était trop beau! Le but était magnifique à la 90e minute. 6-2 les amis. Ben ça fait plaisir en tout cas pour le moral, surtout après cette prise 4-0 par un français. Franchement, ben elle a de la gueule, hein, 6-2. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, ben les amis, je crois que je vais pas tarder à clore ce truc là. Donc, bien sûr, je ferai un pack opening. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, mec? D'accord. Ouais, je crois qu'il a fini de jouer en fait, il a arrêté de jouer. Bon, donc je disais que je crois que je vais faire ouais, mais il y avait personne. Oh putain, je l'ai touché. Je crois que je vais faire comment ça s'appelle, enfin je vais ouvrir la boîte de l'Alienware, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Je crois que je suis un petit peu fatigué, comme vous pouvez voir c'est la nuit, j'utilise des lumières un petit peu les lumières électriques pour Oh là là, Lukaku. Quoi? Mais non, mais ça. Non, ils ont pas sifflé la fin du match alors que j'étais en pleine occasion quand même. Ils ont pas fait ça. Putain, lui, ils l'ont fait le pire. Ah, c'est dégueulasse. Putain, il a laissé prendre un 7ème but là. Bon, ben voilà, il a dû prier. Je sais pas. Mais voilà, bon, ben en tout cas, 6-2. Ça fait du bien, ouais, ça fait du plaisir au moral. En espérant cette fois-ci que FIFA va me le donner, mon score quand même, parce que tout à l'heure le 5-0 là, il m'a fait quand même plaisir, je suis en veine là ces jours-ci. Donc voilà, donc j'espère quand même qu'il va me les donner. Karim Benzema, meilleur homme du match. Voilà, ça fait plaisir. À peu près les mêmes stats que tout à l'heure. Mais donc voilà, mais en tout cas, je suis prêt à vous donner. Vraiment le meilleur de moi. Alors oui, ils m'ont compté ma victoire cette fois-ci, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, merci beaucoup. C'est déjà ça. Bon ben les amis, sur ce, je crois qu'on va se quitter sur cette vidéo. Que ce sera tout pour cette vidéo, les amis, ne vous inquiétez pas. On se revoit à la prochaine vidéo que je vais tourner juste après celle-ci avec toujours le même blouson. Le second blouson Skyzen, parce que c'est le blouson de la chance quand même qui me porte plus chance que l'autre blouson. Alors c'est un blouson cut, hein, comme vous pouvez le voir, quoi de plus normal. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, je vous dis à ciao pour à la prochaine, dans une prochaine vidéo, peut-être, si vous vous abonnez, si vous êtes nouveau, non je déconne, allez les amis, ciao, peace, bye, c'était Skyzen.